Bien sûr, notre vrai lit en bois, bien dur, de 2,20 m pour accueillir les athlètes et maintenant pour accueillir les étudiants de tout gabarit. Les handballeurs néerlandais ont quitté cette chambre à deux pas du Stadium Nord. Héritage olympique tout confort, cuisine, salle de bain dans chaque chambre. Romane arrive d'Agen pour ses études, déjà satisfaite. Franchement, les lits sont très bien. J'ai pu faire beaucoup de siestes dessus. Non, c'est petit, c'est bien aménagé quand même. Franchement, non, c'est une très belle chambre. C'est très moderne comparé à d'autres résidences, des crousses que j'ai pu même voir, visiter. Le site Olympium ne se limite pas aux chambres. Donc ici, on a la salle de jeu avec un baby-foot, un billard et puis un coin lecture. Les locataires bénéficient aussi d'une laverie, d'une salle de musique et d'un espace pour le sport. Tous les équipements sont disponibles tout le temps, à tout moment, en fonction de leur emploi du temps. Et ils ont la liberté de composer leur entraînement comme ils veulent. Comme des athlètes de haut niveau, on est dans la résidence Olympium, on est encore un peu dans la performance sportive. Alors maintenant, on espère qu'ils auront une performance universitaire. Au total, 390 étudiants vivent ici, sans oublier 120 sportifs de haut niveau. Les chambres sont louées 580 € par mois. Et à ce prix, le petit déjeuner est compris. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont ce type de service. C'est assez rare dans les résidences étudiantes. Et justement, c'est assez plaisant parce que du coup, ça évite sans doute une petite tâche du matin qui n'est pas forcément sympa au réveil. Olympium est aujourd'hui occupé à 95% et l'esprit olympique n'a pas totalement disparu.